crois, oui. Alors, je lance l'enregistrement. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer parce qu'il est 18h03, donc et puis les retardataires prendront mon cours de route, ça vous va? Oui. Bon, bah, c'est parfait. Donc bon ben bienvenue à toutes et à tous à la visio donc sur comment préserver sa fertilité. Donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Lucie. Donc je suis référente du collectif BAMP sur le secteur de la Meuse. Donc je vais juste présenter un petit peu le collectif en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc BAMP a été créée donc en 2013. Elle regroupe des patients, mais ex-patients, mais aussi des personnes qui sont non infertiles et qui sont sensibles donc à nos projets. Donc en ce moment, donc il y a en effet la semaine de la fertilité, mais sachez que tout au long de l'année, l'association elle a un mais elle agit en effet sur les aspects donc de l'infertilité. On accompagne en effet les personnes, on organise des réunions dans les régions, etc. On fait plein d'autres choses. Ça, vous aurez le temps de le découvrir au fur et à mesure. Alors, je vais laisser donc juste la parole donc au professeur Massin qui va se présenter, qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour, donc je suis Nathalie Massin, je suis endocrinologue de formation et donc je gère un centre d'AMP à Créteil, dans la région parisienne, dans l'Est parisien. Et je suis accessoirement également présidente de la Société de la médecine de la reproduction. Et donc, avec plusieurs collègues, on a agi depuis plusieurs années justement pour essayer de faire un peu de prévention pour l'infertilité. Et on a lancé une campagne à laquelle on s'est associé avec BAMP et Merck sur préserver sa fertilité. Je vais laisser également la parole à Virginie qui va se présenter. Oui, donc bonsoir, moi je suis Virginie Rio, j'ai créé l'association Collectif BAMP il y a 7 ans maintenant. Et c'est vrai que le sujet de la préservation de la fertilité, en fait, c'est pour nous un sujet essentiel. C'est la première partie de notre manifeste. Et donc, on était très contents d'avoir pu travailler avec le docteur Massin, Chevalier, Le Sourd et avec Merck sur ce travail de prévention, de sensibilisation des jeunes générations. Merci Virginie. Alors, on va juste vous demander si, pour ceux qui sont d'accord, de juste dans les petits commentaires, il y a une petite case qui s'appelle commenter, de noter votre âge pour qu'on juste savoir à peu près à quel public on s'adresse, pour ceux qui le souhaitent. Donc, pour vous expliquer comment ça va se passer, donc on va donc poser les questions en fin de séance. Vous aurez un petit onglet qui s'appelle QR où vous pourrez en effet poser des questions et on vous répondra directement en live. Par contre, donc on ne va pas voir de détails par rapport à des dossiers personnels. Voilà, parce que donc on ne connaît pas votre dossier. C'est important en effet qu'on ne voit pas ce côté-là. On va regarder plutôt l'aspect de manière générale. Voilà. Alors, je vais juste déjà partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est parfait. Alors. Voilà. Yeah. C'est parfait. Alors, je vais donc juste vous expliquer déjà un petit peu en introduction. Donc, sachez que le collectif BAMP, il a mis en place donc un manifeste qui, en effet, vise à améliorer donc la prise en charge de l'infertilité et de l'AMP en France. Donc aujourd'hui, l'infertilité est devenue donc une question médicale majeure qui concerne en effet plus largement le devenir de notre société. Donc c'était pour ça qu'il était important aujourd'hui qu'on fasse en effet cette réunion. Ce soir, on va échanger ensemble pour voir comment on peut préserver sa fertilité. Donc il y a plusieurs points qu'on va voir, donc soit la prévention et aussi le côté médical. Donc moi, je ne suis pas médecin. Cette réunion, c'est une information de ma vision de patiente. Donc le professeur Massin est là pour vous apporter, on va dire, ses connaissances médicales. Donc moi, c'est juste mon point de vue à moi, avec l'expérience que j'en ai.
de la PMA parce que je suis dans le protocole et aussi de l'importance de ce qu'il faut faire dans l'avenir. Alors, ce qui est important, en effet, c'est qu'il faut prévenir les jeunes générations afin d'agir pour réduire les risques d'infertilité. Je pense que c'est important de nos jours. On a tous un rôle à jouer, donc certes à notre échelle. C'est pour ça, en effet, qu'il y a une campagne d'information, comme vous disiez, en effet, Virginie, tout à l'heure, qui s'appelle « Protège ta fertilité », qui a été lancée par Merck, le docteur Massin, Chevalier, Le Sourd et le collectif BAMP, qui vise, en effet, à sensibiliser les jeunes avant qu'il soit trop tard. Lucie, oui. Juste, moi, à l'image, ça ne bouge pas. C'est toujours c'est normal. Ah d'accord, excuse-moi. Je me disais, est-ce que c'est moi C'était qui... juste ma petite introduction. Alors, excuse-moi. On va arriver dans le vif du sujet. Donc justement, comme je vous parlais en effet de la campagne, je vais vous montrer en effet quelques petits chiffres par rapport à cette campagne que vous avez dû certainement voir déjà circuler sur les réseaux. Donc ça fait depuis 2019, hein, il me semble, Virginie, que ça... En 2019, oui. Voilà, donc ça circule en effet sur les réseaux. Donc voilà quelques chiffres et on va aller dans le vif du sujet avec une petite vidéo. Décider, protège ta fertilité en nous rejoignant sur Insta. Voilà, alors comme vous pouvez voir, hein, c'est une vidéo qui a un ton qui est décalé, mais elle est non moralisateur. Le but, c'est en effet d'attirer donc la jeunesse. Voilà. c'est pour cette raison, en effet, qu'ils ont fait cette vidéo-là. C'est un petit peu, vous voyez, il y a un petit bébé, etc. C'est pour un petit peu sensibiliser les jeunes. Donc, sachez en effet que l'infertilité, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un enjeu de santé publique. Il y en a vraiment de la survie de l'espèce humaine, d'accord ? Donc, la moyenne d'âge de la maternité, elle a tendance à reculer. Alors, on va voir pour quelles raisons. Alors, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est mon ressenti, mais après, vous pouvez avoir un autre ressenti par rapport à ça. Je pense que le docteur Massin nous donnera aussi son avis après, tout à l'heure, sur le sujet. Donc, ce qu'on a pu revoir par rapport à l'expérience, c'est qu'il y a surtout souvent l'absence de compagnon, parce que, ben voilà, il faut trouver le bon, hein. On le trouve pas tout de suite. Il y a aussi le sentiment, de ne pas être prête. Il y a le décalage entre le désir de parentalité donc des hommes et des femmes. Et il y a aussi l'homme qui ont le désir d'avoir des enfants, mais plus tard que les femmes. Les hommes souvent poussent leur conjointe à retarder le projet bébé, ce qui fait en effet que l'âge moyen de grossesse, elle est aujourd'hui de 30 ans. Il est même courant de parler des grossesses tardives, donc plutôt 40 ans. Environ un couple sur six rencontre des difficultés pour concevoir un enfant. Alors, au-delà des causes médicales, il y a de nombreux facteurs qui peuvent être à l'origine de ces troubles de fertilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en effet possible au quotidien de faire en sorte de remédier à ces problèmes si on en est informé assez tôt. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme en effet les nombreux aspects de mode de vie actuel qui peuvent avoir en effet une influence néfaste sur la capacité de concevoir. En outre, l'âge de plus en plus tardif, le tabac, l'alcool, le stress et la mauvaise alimentation. Alors, autre que les comportements qu'on ne soupçonne pas, donc pas forcément, c'est l'importance et les conséquences. Donc, le groupe Merck a lancé donc une campagne afin donc d'informer les 18-24 ans, donc c'est la campagne dont je viens de vous parler juste avant. C'est à cet âge, en effet, qu'on peut agir sur le capital de fertilité. Donc, c'est vrai que c'est important d'informer les jeunes donc sur cette tranche d'âge. Après, c'est bien aussi d'en parler autour de vous, que vraiment l'information puisse circuler. On dit en effet qu'il faut rabâcher, mais c'est vrai, c'est ça, parce que c'est à cet âge qu'on peut en effet diminuer les risques de rencontrer des difficultés plus tard quand on va être parent. Les jeunes de nos jours, ils se soucient en effet davantage des moyens à mettre en œuvre en effet pour ne pas avoir d'enfants.
Donc c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut, mais il faut aussi les informer sur la préservation de leur fertilité qui est limitée. Alors, donc on va voir en effet certains points. Alors, c'est juste des recommandations pour préserver sa fertilité. C'est des gestes qu'on peut mettre au quotidien. Alors, voilà, c'est une base. Après, on en conçoit que quand on est jeune, voilà, y a des choses, des fois, que voilà, se limiter sur certains points, ça peut être difficile. Mais je pense que c'est important de se dire, voilà, c'est quand même l'espèce humaine qui, voilà, qui est en jeu. Hein. Alors, donc... Premier point, donc il y a le tabac. Donc chez l'homme, ça diminue en effet le nombre et la mobilité des spermatozoïdes, le cannabis aussi, puisque ça fait des spermatozoïdes qui sont non fécondants. Chez la femme, le tabac baisse donc le nombre d'ovocytes et l'augmentation de nombre d'ovocytes anormaux. Ça baisse également le nombre d'ovules qui sont libérés. Et l'avancement de l'âge de la ménopause. Généralement, on a pu constater que c'est à peu près 2 ans plus tôt en moyenne. L'alcool également. Donc l'alcool, ça s'est associé à des anomalies donc hormonales et ovulatoires. Donc chez les hommes, ce qui est conseillé, c'est pas plus de 5 unités d'alcool par semaine, parce que ça altère la qualité des spermatozoïdes. Chez la femme, il n'y a pas d'études, quoi. Moi je n'ai pas trouvé d'études qui prouvaient en effet, mais on dit en effet que ça peut, surtout pendant la grossesse, être très dangereux. Si je prends mon exemple, moi ça fait 5 ans qu'on est en projet bébé, moi ça fait 5 ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Je pense que c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Il vaut mieux en effet s'arrêter ou réduire du moins l'alcool, à savoir que ce qui est vraiment dans tous ces conseils, c'est la modération. C'est-à-dire le tabac, l'alcool, c'est vraiment des choses qui sont vraiment très importantes. Ensuite, des choses qui sont importantes également, c'est l'optimisation du poids et l'alimentation. Quand on dit en effet que l'alimentation, c'est important sur la fertilité, en effet, il faut essayer d'éviter au maximum tout ce qui est fast-food, malbouffe. Il faut vraiment privilégier une alimentation qui est saine, équilibrée. Éviter les carences alimentaires également, donc tout ce qui est manque de vitamines, de minéraux, qui peut nuire à la fertilité. De même, il y a aussi tout ce qui est embonpoint, qui vient généralement avec la malbouffe. On a tendance ça a tendance à rendre donc, les spermatozoïdes paresseux et à provoquer des troubles donc, de l'ovulation. Alors, une chose aussi qui n'est pas trop entendue et dont je voulais préciser, c'est vraiment la nouvelle technologie. La nouvelle technologie, on est tous en effet avec son ordinateur portable sur les genoux ou le portable dans la poche. Le fait d'utiliser certains appareils, ça peut être particulièrement mauvais pour la fertilité parce que ça dégage de la chaleur. Par exemple, un ordinateur portable, ça peut réduire la production de spermatozoïdes, en particulier, donc comme je vous disais, sur les genoux, sur le ventre. Alors, téléphone portable, il y a des études qui ont été faites et le fait de garder dans la poche près du sexe, en effet, ça abaisse le nombre et la qualité de spermatozoïdes. Donc, c'est vrai qu'il est recommandé, mais je conçois que pour des jeunes et pour tout ce qui est maintenant les nouvelles technologies, c'est difficile à mettre en place. Voilà, quand on a un ordinateur, par exemple, on le pose sur une table. Si vraiment, il existe des espèces de tablettes qu'on peut mettre sur les genoux pour éviter donc la transmission de chaleur. Ou investir dans des sacoches pour transporter son smartphone. Je tenais en effet à vous alerter sur ces points-là parce que c'est vraiment très important et c'est le capital fertilité qui est en jeu. On va avoir d'autres points également. Alors, ça c'est un point sur lequel je suis assez attachée parce que c'est les toxiques environnementaux. Alors, donc sachez que les substances chimiques qui transfèrent en effet avec nos hormones, diminuent la fécondité. Donc, il y a des perturbateurs endocriniens, il y en a partout. Donc, pour faire un petit rappel sur ce que c'est les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qui sont présentes dans l'environnement et elles peuvent rentrer en contact avec notre organisme. Elles interfèrent donc avec le fonctionnement hormonal, donc il faut vraiment les éviter au maximum. Ce qu'il faut faire, c'est dépolluer son quotidien, mais vraiment au maximum. Donc moi, je vais vous donner quelques exemples qui sont assez simples déjà à réaliser.
Par exemple, quelque chose qu'on vit dans la vie de tous les jours, c'est on a fait nos plats préparés, on les fait chauffer au micro-ondes. Alors déjà, ça, tout ce qui est plastique, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment essayer de privilégier tout ce qui est en verre quand on fait chauffer donc au micro-ondes. Donc après, j'en conçois qu'il faut être organisé, mais c'est vraiment pas compliqué. Utiliser aussi tout ce qui est des produits naturels, donc possibilité de fabriquer soi-même. Donc ce que j'avais pensé, donc on le fera dans un second temps, parce que alors, moi je suis très calée fabrication de produits soi-même, donc je pense qu'à l'avenir je ferai une réunion avec des tutos sur comment éviter les perturbateurs endocriniens et fabriquer ces produits soi-même. Je pense que c'était une idée que j'avais eue à un moment, je pense que je le ferai parce que c'est vraiment pas compliqué. Également éviter tout ce qui est bougies ou parfums intérieurs de manière industrielle, ça aussi. Alors, pour mesdames, tout ce qui est produits cosmétiques, privilégiez tout ce qui est biologique ou 100% naturel. Pareil quand, en effet, on va chez le coiffeur, qu'on fait des colorations. Alors maintenant, vous avez beaucoup de coiffeurs qui proposent des colorations naturelles pour éviter, en effet, qu'il y ait des produits toxiques ou des perturbateurs endocriniens. Vous pouvez aussi également aérer votre habitation. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, des conseils de base que je peux vous donner, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut voir sur les perturbateurs endocriniens. À savoir qu'il faut, BAMP est vraiment présent à ce niveau-là aussi, parce qu'on est membre du conseil d'administration de RES, donc c'est le réseau d'environnement de santé, donc depuis des années. On porte la voix de l'infertilité dans la santé environnementale. Donc, je ne sais pas si Virginie, tu voulais donner des précisions sur justement cette collaboration avec RES. Oui, je peux dire que pour nous, c'était important d'être associé avec une association qui est quand même très active sur ce sujet-là, puisque c'est l'association qui est à l'origine de l'interdiction du bisphénol A dans les biberons. Et le sujet est compliqué. Un sujet très compliqué parce que on doit changer nos habitudes, on doit être dans des restrictions aussi parce que c'est pas simple, et donc on trouvait important de pouvoir s'associer avec cette association pour que l'énorme travail qu'il y a à faire sur ce sujet-là, il essaye d'avancer un petit peu. Donc il y a eu des choses qui ont été mises en place. Ils ont mis en place une campagne, c'est Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Donc l'année dernière, on a participé à plusieurs signatures. On était allé au conseil départemental de l'Île-de-France. Donc avec Valérie Pécresse, il y a la charte qui avait été signée. Et puis après, il y a dans d'autres villes en Île-de-France. On partage les pétitions. Il y en avait une l'année d'avant qui avait été proposée, c'était les bébés naissent prépollués. Donc c'est un peu choc comme ça comme message, mais en même temps c'est la réalité, c'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens sont tellement partout autour de nous. Alors il y a ceux qu'on peut maîtriser, comme tu disais au départ, l'alcool, le tabac, et voilà ce qu'on vit au quotidien, mais il y a aussi tous ceux qu'on ne maîtrise pas qui sont de la pollution générale, et nos bébés qu'on essaye de faire et ensuite qu'on porte dans nos ventres, ils sont les perturbateurs endocriniens les atteignent aussi directement. Donc il y a une vraie prise de conscience qui doit exister, mais en même temps c'est quelque chose qui est difficile parce que c'est très anxiogène, c'est-à-dire on se dit mais alors si on est tout pollué de partout, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors voilà, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et bien parce qu'il y a des associations comme le REST qui est associée à d'autres associations sur la gestion de l'eau, la gestion de l'alimentation, la gestion de l'air même, de l'air dans nos villes, la gestion de tout ce qui est aussi habillement. Et voilà, chacun sur son sujet, on essaye de travailler et d'avancer un petit peu. Et en étant tous rassemblés, et ben on espère que les choses puissent avancer plus vite. Il est prévu en France que des états généraux de la santé environnementale puissent exister, et on aimerait bien qu'à partir de ça, une loi
de santé environnementale puisse advenir. Mais c'est un travail titanesque parce que ça nécessite de revoir tellement de choses que voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Et on a des choses à faire à un niveau très individuel et à un niveau plus collectif. Il faut qu'on s'engage pour notre fertilité, mais aussi pour celle de nos enfants. Parce que voilà, nous, on a conscience, on voit qu'il y a un vrai impact sur notre fertilité. Donc, il faut qu'on, pour nos enfants, on propose un avenir différent. Et en plus, c'est vrai que faire des choses qui peuvent être simples dans notre quotidien, on va dire, ça peut améliorer les choses. Donc, si chacun a un peu, il met un peu du sien, on va dire. Il y a par exemple des produits comme les phtalates. Alors, je ne suis pas spécialisée, mais les phtalates, ils viennent dans notre corps, mais ils s'éliminent aussi. Donc, on peut, si on fait attention à nos cosmétiques, à ce qu'on mange, il y a un tas de choses. Éliminer certains perturbateurs endocriniens. Voilà. Et c'est comme on disait sur la réunion sur l'obésité l'autre jour, si on perd du poids trop rapidement, des grosses quantités de poids, hein, quand on parle de grosses quantités, ça peut aussi libérer des perturbateurs endocriniens. Donc quand en effet, on fait attention à notre alimentation, il faut le faire, mais progressivement. Il faut faire attention de pas faire un régime et de perdre de, 30-40 kilos d'un coup trop fort. Ça se stocke dans les graisses, alors après, docteur Massin, vous pourrez apporter votre point de vue scientifique, mais voilà, nous, il y a des messages qu'on retient comme ça. Et qui, oui. Mais le travail avec le réseau environnement santé, on aimerait faire plus. On aimerait évidemment que ça soit que les gens prennent plus conscience, mais c'est un travail de très longue haleine et on est entre l'information nécessaire et la difficulté ou le sujet qui est très anxiogène. Et donc, il faut réussir à trouver un angle de communication qui nous amène à faire bouger un peu les choses. Merci Virginie. Alors, donc on va parler également de préserver sa fertilité, mais pour des raisons médicales. Donc tout à l'heure on a vu un petit peu tout ce qui était prévention. Là par exemple, donc en cas de maladie, donc comme l'endométriose, ou en cas de traitement pour le cancer ou de pathologie non maligne, telle que par exemple le lupus, on peut en effet alerter sur la fertilité et ça peut agir sur la capacité biologique à avoir des enfants. Donc la préservation de la fertilité quand il y a un traitement préventif qui sera réalisé donc avant le traitement de la maladie. Alors, il faut savoir que peu importe les techniques qui sont utilisées, les mesures de prévention de la fertilité, donc comme la congélation des gamètes, ça ne peut pas donc actuellement garantir une grossesse à 100%. C'est une préservation. Donc, pour qui ça s'adresse ? Ça s'adresse pour des adultes qui sont en âge de procréer, donc pour les femmes donc, qui sont moins de 40 ans, ou pour les hommes, ou même pour les enfants ou les adolescents qui sont donc en pubère, dès qu'ils sont amenés à recevoir un traitement qui est toxique pour leur fertilité. Donc ça, c'est important de le savoir. En ce qui concerne en effet l'autoconservation des gamètes en France, donc actuellement, la conservation des gamètes, elle est possible uniquement que pour motif médical, comme on l'a vu juste avant. Dans le cadre de la réforme de la loi bioéthique, dont on a eu une réunion hier, pour ceux qui ont y assisté, on ne sait jamais, l'autoconservation sociétale, elle a été retenue, mais la loi, elle n'est pas encore applicable. Celle-ci, elle envisage que les actes qui sont liés au recueil ou au prélèvement des gamètes soient remboursés, mais pas le coût de la conservation. Avec la promulgation de cette loi, donc les femmes et les hommes auront accès donc à la congélation des gamètes dans le but de repousser l'âge de la maternité sans avoir à subir la baisse d'infertilité qui est liée à l'âge pour leur donner la chance un jour d'avoir un enfant. Donc actuellement, vu que cette loi elle n'est pas encore en application, Virginie va vous faire un petit topo résumé par rapport à ça. Actuellement, elle est interdite en France
et les couples doivent se rendre à l'étranger pour l'instant pour réaliser cet acte. Si Virginie, tu peux juste résumer un petit peu où on en est de la loi et pour ceux qui n'étaient pas là hier. Alors la loi bioéthique, là, ce qui est problématique, c'est que effectivement la loi n'est toujours pas votée, mais les médias communiquent depuis le vote en première lecture qui avait eu lieu fin de l'année 2019. La loi de bioéthique, la PMA pour toutes, c'est bon, mais non, c'est pas bon parce que dans le processus de publication d'une loi, et ben, il y a une première lecture à l'Assemblée nationale, une première lecture au Sénat, une deuxième lecture à l'Assemblée nationale, une deuxième lecture au Sénat. Ensuite, si les deux chambres ne sont pas d'accord, c'est-à-dire si elles ne se sont pas mises d'accord sur un texte identique, la loi passe dans une commission mixte paritaire. Éventuellement, s'ils ne sont toujours pas d'accord, le gouvernement peut décider ou la loi retourne à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, et ensuite, il faut que la loi soit promulguée, mais il y a un délai de 15 jours dans lequel le Conseil constitutionnel peut être saisi. Voilà, donc là, on n'en est pas encore là. On en est juste que la loi a été votée en première lecture par les deux chambres et que cet été, la loi a été votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Elle devait revenir au Sénat là, au mois d'octobre, et finalement, avec toutes les problématiques sanitaires dans lesquelles on se trouve, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, j'étais encore avec un attaché parlementaire d'un sénateur tout à l'heure au téléphone, ils n'ont pas de date sur à quel moment la loi de bioéthique va revenir au Sénat. Donc, on pensait au début de l'année 2021, aujourd'hui, ils ne savent pas. Donc, pour l'instant, la PMA pour toutes n'est pas possible, l'autoconservation sociétale n'est pas possible. Il y a un plan fertilité qui a été voté aussi dans cette loi en première lecture, quelque chose dont qu'on a réclamé et qui pourrait nous permettre que les questions de fertilité et d'infertilité soient vraiment considérées à leur juste valeur en France et qu'un plan de fertilité qui regrouperait les différents ministères puissent être mis en œuvre. Mais pour l'instant, voilà, la loi, elle est en stand-by dans les arcanes de l'administration, mais elle est toujours pas votée. On pourrait croiser les doigts. Mais le Covid n'a rien arrangé. Donc pour l'instant, comme je disais, pour l'autoconservation, ben malheureusement, il faut se rendre à l'étranger. Donc voilà. Alors, donc je vais laisser la parole donc au professeur Nathalie Massin. Je vais arrêter mon partage d'écran pour que vous puissiez mettre le vôtre. Alors, par contre, il faudrait juste que vous activez. Voilà, je vais vous remettre votre micro. Pourquoi ? Rétablir le son. Alors, on ne vous entend pas, si vous pourriez réactiver votre micro, parce que vous l'avez coupé vous-même, donc je pense que je ne peux pas le... Alors, attendez. Alors, est-ce que vous l'avez là ? Ah, ça y est, c'est bon. Vous m'entendez ? Ah. Oui. Bon, j'ai passé la première diapositive, mais ce n'est pas grave. Erreur de débutant, vous voyez. voilà, donc je reviendrai peut-être sur des petites choses que vous avez dites en particulier par rapport à la préservation de la fertilité, on pourra développer après. Donc en fait, ce qui nous a amené à proposer ce test qu'on appelle Fertility Check-up, c'est que j'ai une belle expérience maintenant en assistance médicale à la procréation et j'ai vu tellement de couples qui arrivent en disant « mais pourquoi on ne m'a pas dit plus tôt ? Pourquoi on a refusé de me faire les examens plus tôt ?» Et moi-même, souvent, je me suis dit « mais pourquoi je n'ai pas vu cette dame avant ? Pourquoi ils ne sont pas venus avant ?» Que je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas agir en amont puisque l'objectif en fait, d'un médecin de la fertilité, c'est d'essayer de ne pas avoir de patients et que tout soit réglé en amont. Donc moi, je travaille beaucoup sur ça depuis un petit bout de temps. Et ce qui nous a permis de proposer ce test, c'est d'avoir à disposition un examen simple et non douloureux pour pouvoir faire un bilan de fertilité. Parce que c'est vrai que jusqu'à peu, comme seul test pour vérifier la perméabilité des trompes,
et c'est important dans un bilan de fertilité. Le bilan de fertilité, pour moi, ne se résout pas juste à vérifier la réserve ovarienne, puisqu'il y a à peu près 15 à 20% des femmes qui ont des trompes qui sont pas normales. Donc, pour vérifier que les trompes sont normales, jusqu'à peu, on avait uniquement l'hystérosalpingographie. Et malheureusement, en France, il y a encore beaucoup d'endroits où on n'a que cet examen, qui est une radio, qui est assez douloureuse, avec exposition au rayon X et puis au risque d'allergie à l'iode avec le produit qu'on utilise. Donc en fait, ça fait un petit bout de temps qu'on développe une autre échographie pour tester les trompes, qui s'appelle IFOSI, qui a été mis en place dans notre centre qu'on développe également au niveau national. On n'est pas le seul centre à le faire. Mais on a intégré ça, ce concept de bilan complet, dans une échographie qui est vraiment dédiée à la fertilité, qu'on a appelée FertiScan pour que ça puisse parler et puis le différencier d'une écho-gynéco standard. Et donc l'objectif de cette échographie, bah, c'est finalement de tester la fertilité de la femme sous tous ses angles. Donc bien sûr, tester les trompes avec l'IFOSI en utilisant un gel spécial qui malheureusement pour l'instant n'est pas remboursé. De tester l'utérus qu'on voit très très bien à l'échographie, de dépister l'endométriose, puisque vous avez toutes entendu parler d'endométriose. Je dis toutes parce que j'ai bien vu qu'il y avait essentiellement quand même des femmes qui étaient connectées, même si les hommes sont également concernés sur la préservation de la fertilité, et j'y reviendrai. Et puis donc, bien sûr, vérifier cette réserve ovarienne, et plus que la réserve aussi, être en capacité de vérifier si a priori l'ovulation se fait correctement. Donc voilà, c'est vraiment une échographie tout en un qui se fait en 30 minutes. Et que nous, on pratique en routine pour nos patients qui sont infertiles, nos patientes qui sont infertiles, donc depuis maintenant plus de 3 ans à l'interhôpital de Créteil. Moi, je n'ai plus prescrit d'hystérosalpingographie et nos patientes sont bien contentes. Et la nouveauté, c'était d'utiliser cet examen finalement qui est bien vécu par les femmes et qui est rapide pour faire un bilan de fertilité complet, un check-up, mais pas pour les femmes infertiles, de proposer ce test-là à toute femme qui souhaite savoir quel est son potentiel de fertilité, qui a un projet de grossesse immédiat, prochain ou futur ou lointain, ou le report justement d'un projet de grossesse et de justement avoir une idée si on peut se permettre de le repousser ou pas. Alors, pour passer la diapo, hop, voilà. Donc voilà, l'objectif de ce test, c'est qu'il soit accessible à toute femme qui le souhaite. On n'a pas développé encore le test chez l'homme. Toute femme qui bien sûr a un projet de grossesse à un moment quand même dans sa vie, et autant c'est important de pouvoir répondre à ce besoin là autant je ne fais pas non plus de la promotion pour avoir absolument un enfant dans un projet de vie. C'est une décision qui doit être personnelle. Et donc ce fertilité check-up, il comprend d'abord un questionnaire qui est rempli sur une petite tablette par la femme qui on va revoir après, mais essentiellement les antécédents, est-ce qu'il y a déjà eu des chirurgies, est-ce qu'il y a des ménopauses précoces par exemple dans la famille, tout ce qui est en rapport avec les toxiques, le tabac, l'activité physique, les autres toxiques, le poids également, et puis les antécédents génétiques. Ensuite, donc ça prend à peu près 10 minutes, un quart d'heure maximum pour remplir la tablette. Après, il y a l'examen qui est fait, l'échographie qui prend environ 30 minutes. Et à la fin de cette échographie, eh bien, on fait un débrief qui est, que j'essaye d'être relativement informel. Hein. L'objectif, c'est de pouvoir poser les questions sans aucun tabou, justement, pour réutiliser ce mot-là. Mais avec un niveau, on va dire, d'expertise, pour les femmes qui viennent nous voir. Donc on reprend les résultats de l'échographie, on refait le point sur le bilan organique, on refait le point sur tout ce qui est environnement, etc. Et je réponds à toutes les questions qui peuvent être posées en rapport avec le projet fertilité actuel, futur, les petits trucs pour améliorer les chances de grossesse, et puis ce qu'on peut mettre en place, évidemment, pour augmenter ses chances, ou décider de faire une assistance médicale à la procréation quand c'est nécessaire, ou une préservation de la fertilité, parce que effectivement, Virginie et Lucie vous ont bien dit qu'il n'y avait pas de préservation
sociétale, j'aime pas du tout ce mot-là autorisé aujourd'hui, mais bien souvent le médecin va quand même trouver une raison médicale de faire une autoconservation, alors même en dehors d'un problème de maladie grave comme un cancer ou une endométriose. Par exemple, le fait d'être une femme jeune avec déjà une réserve qui est basse, on peut tout à fait considérer que c'est une raison médicale de pouvoir faire une préservation de la fertilité aujourd'hui en France et pris en charge par la sécurité sociale. Alors voilà juste quelques petites images pour illustrer. Donc ça avait été tourné sur magazine de la santé d'une jeune femme qui était venue nous voir donc dans le centre, voilà, qui remplit sa petite tablette. Après il y a l'examen échographique qui est fait en direct avec le médecin qui explique au fur et à mesure finalement ce qui est vu, et donc on visualise bien par exemple les follicules à l'échographie qui sont dans l'ovaire, et puis après l'entretien qu'on fait avec toutes les questions qui sont posées. Donc parfois on donne des bonnes nouvelles, parfois on donne des mauvaises nouvelles, mais en tout cas on est toujours informatif par rapport à la question que se pose la femme. Donc à qui s'adresse ce fertility check-up? Bah, toute femme qui a potentiellement un projet de bébé et qui est en âge de procréer. Alors, le législateur actuellement n'a pas limité l'âge de procréer dans la loi telle qu'elle existe, et malheureusement ça devrait être modifié dans la future loi avec un âge de procréer qui va être déterminé par je ne sais qui dans un coin, en espérant que les professionnels soient vraiment invités à donner leur avis et les associations de patients. Quelqu'un qui a un projet de maternité immédiat et qui veut se mettre dans les meilleures conditions ou pas. Une personne qui ne veut pas perdre de temps parce qu'elle est inquiète pour une raison ou une autre sur un antécédent, ou un antécédent dans la famille, ou un antécédent personnel, et qui a besoin de se rassurer sans attendre un an d'essai infructueux, parce que c'est extrêmement difficile, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très souvent, hein. Finalement, en préconceptionnel, on ne fait pas de prévention, le gynécologue, en règle générale, il dit, vous êtes jeune ou pas d'ailleurs, il dit, attendez un an avant de revenir me revoir, alors qu'il y a quand même des petites choses à faire, surtout s'il y a des petits indices à l'interrogatoire. Ça permet aussi de pouvoir aider à planifier une grossesse dans une carrière ou dans une vie de couple, parce que parfois on est avec un homme mais on n'est pas sûr que ça soit le bon. Donc savoir si on peut attendre quand le conjoint est décidé, parce que comme l'a fait remarquer Lucie, c'est vrai qu'on met souvent en avant le fait que les femmes elles veulent faire carrière et que finalement elles mettent le bébé de côté, mais très souvent c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé le bon compagnon, donc le compagnon actuel n'est pas décidé à faire un bébé. Et l'autre chose pour ce test, c'est qu'il est accessible donc, sans demande ordonnance d'un médecin, et également aux femmes seules, donc on n'est pas obligé d'avoir un conjoint, quelle que soit son orientation sexuelle, parce que bon, jusqu'à présent, l'assistance médicale à la procréation était limitée uniquement aux femmes qui étaient en couple hétérosexuel et qui avaient déjà essayé de concevoir. Donc vraiment, on voit ce test-là comme un dépistage et une prévention, puisque l'avantage, c'est quand on vient nous voir avant le projet, on peut faire de la prévention. Donc dans les conseils qu'on va donner, on va reprendre tous les facteurs de risque d'infertilité, comme l'âge. Donc j'ai préparé quelques diapos parce que j'avais vu que Lucie dans sa présentation n'y portait pas trop d'intérêt. Enfin, c'est pas qu'il n'y portait pas trop d'intérêt, mais en tout cas avait parlé d'autres choses. C'était de la prévention surtout. Voilà, c'est un sujet très très sensible. On parle de poids et de qualité d'alimentation, comme on vous en a déjà dit là, puisque l'environnement il est vraiment hyper important. Les toxiques qu'on ingère et ceux d'autres qu'on est obligé d'ingérer dans notre environnement, et puis également les antécédents personnels et familiaux. Et puis un point actuel, donc sur une capacité organique, sur la capacité de conception naturelle, avec est-ce que l'ovulation se fait ou pas, et à quel moment pour cibler les rapports, est-ce que l'utérus est bien ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arranger, et puis bien sûr, est-ce que les trompes sont perméables ou pas, est-ce qu'il y a une endométriose ou pas, pour pouvoir donner finalement à la femme, est-ce qu'il y a un blocage de principe ou est-ce qu'il n'y a pas de blocage. Et puis, donc, on va positionner donc, par rapport à la réserve, puisque c'est quand même une question qui revient régulièrement, on va positionner la femme en fonction de sa réserve dans les statistiques pour bien comprendre comment ça se situe. Et donc, je montre ce graphique qui est assez parlant parce que déjà, quand on prend un âge donné, vous voyez, l'âge est situé ici. Donc, par exemple, si on prend l'âge de 31 ans, la première chose qu'on voit,
Ici, on a le nombre de follicules normaux. Donc, on va considérer que la norme, en gros, c'est entre le 10e et le 90e percentile, même si on peut considérer que 3e, 90e, ça passe encore. Mais donc déjà, c'est la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une grande inégalité entre les femmes. Vous voyez, pour 31 ans, on peut être normal, basse, entre 8 et 35. Donc il y a un grand écart. Ce qu'on voit également, c'est que pour tout le monde, ça baisse. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que quand on a un petit chiffre, eh bien ce petit chiffre, il peut se maintenir longtemps sans forcément qu'il y ait une baisse. Donc il faut relativiser aussi le résultat d'une petite réserve. Quand on a une petite réserve, et dans ces cas-là, c'est vrai que je conseille souvent de faire un deuxième point s'il n'y a pas de brochet de grossesse immédiat pour voir comment on se situe dans la perte, pour savoir si effectivement il faut qu'on se presse ou pas. Une petite chose que j'explique également, quand on a une réserve qui est basse, c'est quand on a un projet de conception immédiat, si on reste dans un âge relativement jeune, eh bien, le fait qu'on ait une réserve qui est basse ou une réserve qui est élevée n'a absolument aucune incidence sur les chances de conception. Donc il faut vraiment relativiser et prendre cette information sur la réserve et la temporiser vraiment avec l'âge et la dynamique du projet de grossesse. Et puis donc, l'âge, oui, effectivement, c'est toujours important de rappeler parce que les statistiques, parce que souvent, en fait, l'information, je vois qu'elle passe auprès des femmes, mais pas seulement pour ça, pour plein de choses. L'information, on l'entend souvent soit blanche, soit noire. Soit on ne se sent pas concernée et finalement, tout va bien. Et je vois des femmes qui arrivent à 42 ans en me disant, moi j'envisage mon projet de maternité dans 2 ans. Alors là, j'ai un petit peu les sueurs froides parce qu'il va falloir ramer un petit peu pour expliquer que ce n'est pas exactement ça. Et à l'inverse, je vois des femmes qui arrivent pour me voir, elles ont 33 ans et elles sont terrorisées parce qu'elles ont vu que les chances de grossesse chutaient à partir de 35 ans et elles sont angoissées à l'idée de ne pas pouvoir faire leurs enfants alors que 32 ans, 33 ans, 35 ans, c'est un âge qui est vraiment très bien pour faire son enfant et dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, on va y arriver, évidemment. Donc cette information, souvent, elle est prise, vous voyez, de manière assez tranchée, alors qu'on est sur un niveau de gris. Donc là, ça montre bien que quand on a 20 ans, on a une chance sur 3 d'être enceinte en chaque cycle. Et puis, vous voyez, évidemment, ça baisse avec le temps. À 30 ans, une chance sur 6. À 35 ans, une chance sur 8. Ça veut dire que très probablement, au bout d'un an, on va avoir réussi à obtenir son bébé. Là où ça devient plus problématique, c'est passé 40 ans parce que effectivement dans ces cas-là, passé 40 ans, on voit bien que si les chances de grossesse sont à 1 sur 15, sur l'espace d'une année, eh bien, on a risque de ne pas y arriver. Il faudra sans doute un peu plus de temps à un moment où on en a un petit peu moins, évidemment. Mais les statistiques montrent qu'une femme qui commence son projet de grossesse à 40 ans a 2 chances sur 3 d'y arriver. Donc il ne faut pas écouter, parce que ça m'est déjà arrivé vraiment à plusieurs reprises, les gynécologues qui vont vous dire « mais 40 ans c'est trop tard, c'est trop vieux, pense à autre chose et au don d'ovules ». Voilà. Donc non, il ne faut pas baisser les bras pour autant. Alors, pour avoir une explication pourquoi finalement ça diminue comme ça beaucoup avec l'âge, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'ovule, on le produit quand on est dans le ventre de sa maman et on va le garder toute sa vie. Donc, on va établir le stock quand on est dans le ventre de sa maman et après, ça va faire que baisser. Mais rassurez-vous, le stock, il est vraiment hyper important dans la plupart des cas et c'est seulement à la ménopause que, donc vers 50 ans, qu'on n'a plus du tout d'ovocytes. Le problème, c'est pas tant le stock que cette cellule qui est créée quand on est in utero et qui va vieillir avec nous et qui va être exposée avec nous à tous les toxiques environnementaux, comme par exemple le tabac. Et ça va agir sur quoi ? Ça va agir, donc à la fois le vieillissement et les toxiques, sur l'ADN à l'intérieur des ovocytes, et donc ils vont perdre en qualité, et donc ils vont avoir un problème au niveau du nombre de chromosomes. Et si vous avez un ovule qui a un problème au niveau du nombre de chromosomes, eh bien ça ne donnera pas un bébé, ça ne donnera pas un début de grossesse, ou c'est susceptible d'entraîner une maladie génétique, comme par exemple la trisomie 21. Donc vous voyez, là je vous ai mis sur ce graphique, en fonction des tranches d'âge,
le taux d'ovocytes anormaux qu'on produit. Donc, bah, c'est tout à fait normal. Vous voyez, dans la tranche des patientes qu'on reçoit, qu'on produise un ovocyte anormal sur deux. Bon, bah, c'est pour ça qu'on n'est pas enceinte tous les mois, évidemment. Mais ça devient plus problématique quand on passe la barre des 42 ans, parce que ça s'associe à ce pourcentage d'ovocytes plus anormaux, plus élevés, et bien aussi une diminution du nombre, parce qu'on les perd au fur et à mesure. Donc on se retrouve finalement un peu avec la double peine. C'est pour ça que l'âge est évidemment hyper important dans le projet de grossesse. Et donc, pour donner un indice, parce que comme on a parlé de préservation de la fertilité, donc quand on parle de préservation de la fertilité, d'abord, c'est pas tout simple, hein, c'est pas une prise de sang. Il faut faire une tentative de FIV, parfois deux ou trois, pour accumuler un nombre d'ovocytes qui va donner une assurance. Et donc, une assurance, c'est comme une assurance pour la voiture. Hein. On prend une assurance au tiers, on prend une assurance tout risque, mais on n'est jamais remboursé contre tous les accidents de la vie, ça ne couvre jamais tout. Donc, comme vous l'a bien dit Lucie, c'est pas parce qu'on fait une préservation la fertilité, qu'on garde un bébé au frigo. Et donc voilà, je vous donne une estimation du nombre d'ovocytes total qui est nécessaire pour avoir un embryon qui est normal génétiquement, quand on a pu faire un DPIA, ce qui n'est pas le cas en France, et donc un embryon qui est normal génétiquement, dans les statistiques, ça donne une fois sur deux une grossesse. Donc, vous voyez, il faut relativiser par rapport à la fertilité. J'espère que je ne vous fais pas trop peur avec tous ces chiffres, mais je pense que moi je milite pour une information claire et nuancée en fonction bien sûr des situations de chacun. Voilà, donc pour moi, ce qui est important, c'est finalement, voilà, je trouve que cette petite diapositive, elle représente bien, c'est-à-dire, en fait, il faut tester pour savoir, évidemment, il ne faut pas estimer, on ne peut pas savoir ce genre de choses si on ne fait pas un test pour le savoir, et je pense que avoir une idée de sa fertilité, et de tout ce qui joue pour sa fertilité, quelque sorte, ça, en power woman, ça veut dire ça donne aux femmes en fait la capacité d'agir et d'être maîtres finalement de leur vie et de leur projet. Alors bon, ce test-là, vous savez, la médecine en France, d'abord, elle est très allopathique, donc on travaille beaucoup sur les médicaments et on fait pas beaucoup de prévention, malheureusement, donc il n'est pas pris en charge. On a estimé ce test à 350 € par rapport au gel qui n'est pas remboursé, à tout ce qu'on propose, tout ça, et nous, on aimerait bien, c'est que il puisse être pris en charge dans un bilan, vous avez le bilan de la sécu, à quel âge avant, voilà. Qui est proposé, un bilan de santé, on aimerait bien que ça puisse être proposé, on ne l'impose pas du tout, hein. Je pense qu'il ne faut pas forcer une femme à faire un bilan si elle ne le souhaite pas, mais en tout cas qu'il puisse avoir accès pour celle qui le souhaite, ça se fait plutôt en début du cycle, et puis on peut prendre un rendez-vous sans avoir un rendez-vous, évidemment. Alors s'il me reste un tout petit peu de temps, Lucie, Virginie, c'est bon ? Mais, j'ai rajouté une petite diapo sur le tabac pour avoir vraiment des chiffres qui parlent. C'est très simple en fait, hein. Le tabac c'est pas du tout contraceptif, hein, ça se saurait. Mais en gros, ça diminue par deux les chances de conception, à la fois pour l'homme ou la femme quand il fume. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre deux fois plus de temps à faire son bébé. Donc si on a un délai moyen, si on est jeune à 30 ans, 6 mois pour faire un bébé, on va passer un an par exemple. Alors, peut-être un an, c'est pas grave pour certains, peut-être c'est un peu plus grave quand on est un peu plus âgé. Et on voit très bien qu'un embryon a deux fois moins de chances de s'accrocher quand la femme fume ou que l'homme fume. C'est pareil pour les deux, en fait, hein, l'effet négatif. Donc ça, je ne reviendrai pas sur la qualité des spermatozoïdes, mais il faut bien savoir, ce qui est très clairement démontré dans la littérature, c'est que quand on fume, eh bien, on va perdre sa réserve beaucoup plus vite, sa réserve en ovules, celle qui est précieuse en quantité quand on prend de l'âge, parce que la proportion d'ovules normaux est moindre. Donc on a globalement 15 à 20% de diminution du nombre d'ovules présents dans l'œsovaire chez les femmes qui fument versus celles qui ne fument pas. Et ça va se concrétiser par le fait que les fumeuses ont leur âge de ménopause qui est en moyenne avancé de 2 ans par rapport aux non-fumeuses. La bonne nouvelle, c'est que quand on arrête le tabac, on arrête de perdre plus vite nos ovules qu'une femme qui ne fume pas.
Et tout ce qui est lié à l'utérus, à l'implantation, etc., à la qualité de l'ovule, eh bien, tout ça également disparaît. On va retrouver les chances d'une femme qui est non fumeuse. Donc, c'est important de dire l'impact du tabac et c'est aussi important de rappeler que une fois qu'on a fumé, on a fumé. Mais si on veut se donner les moyens, eh bien, on peut se remettre dans une meilleure situation. Une petite chose à rajouter, on a parlé de la fertilité, du capital, on a parlé des chances de grossesse, mais je pense qu'il faut vraiment insister, et ça a été évoqué quand Lucie a parlé des perturbateurs endocriniens, c'est sur la santé de l'enfant en fait. Et on sait très bien que tous ces toxiques-là ont un impact direct sur la santé de l'enfant, et pas seulement la santé de l'enfant qui est in utero, mais aussi la santé de l'enfant qui se prépare à l'intérieur de l'enfant, donc avec le petit enfant, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet transgénérationnel. Parce qu'il faut bien avoir conscience que quand on est enceinte d'un petit garçon ou d'une petite fille, eh bien ce garçon ou cette petite fille est en train de préparer, il ne le prépare pas lui-même, hein, c'est la nature qui le fait, mais en tout cas, ses gamètes sont en train de se préparer et ses gamètes sont exposées aux toxiques que prend la maman. Donc ce n'est pas seulement la santé de l'enfant, mais c'est aussi la santé des gamètes de l'enfant et donc ses possibilités derrière pour également lui avoir un enfant. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue sur ce sujet. Voilà, donc c'est recommandé d'arrêter 3 mois. Pourquoi 3 mois avant la conception? Les spermatozoïdes, comme les ovules, ils mettent 3 mois à se produire. Donc un ovule ou un sperme, il n'a pas fumé pendant 2-3 jours, hein, il a eu le tabac pendant 3 mois, ce qui explique aussi l'impact sur les cellules. Voilà, donc pour résumer l'environnement, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit, c'est aussi ce avec quoi on travaille, donc il ne faut pas hésiter à interroger son médecin du travail quand on travaille avec des produits toxiques, avec des solvants, hein. Dès que vous sentez un truc, hein, Lucie vous l'a bien dit, les parfums, tout ça, dès que vous sentez un truc, c'est que ça passe, c'est des molécules aromatiques, c'est des perturbateurs endocriniens. Les produits qu'on utilise à la maison, bien aérés, etc. Enfin, c'est super, Lucie, elle vous a donné des petits trucs très simples, c'est facile à mettre en place au quotidien, il ne faut pas non plus se prendre la tête. C'est vrai que sinon, on est vite angoissé avec tout ce en quoi on est exposé, évidemment. Voilà, et donc, aujourd'hui, on a les moyens d'être informés par rapport à ça. Il y a plein de choses qui sont faites, en particulier par Santé publique France. Et donc, voilà, par exemple, c'est un des sites qu'on peut aller voir, justement, pour parler au-delà de la fertilité et de la santé du bébé qu'on veut avoir, puisqu'en règle générale, si on veut avoir un enfant, on veut avoir un enfant en bonne santé. Voilà. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Alors, d'après, en effet, donc, vous avez posé une question tout à l'heure sur l'âge des participants. Donc, ce que je peux constater pour les personnes qui ont répondu, c'est qu'en effet, il y a des personnes qui ont plus de 30 ans. Généralement, en effet, c'est la moyenne sur ce que je peux constater. Alors, donc, les explications étaient très claires. Merci beaucoup. Alors, je vais juste revenir sur un point. Donc, c'est vrai que là, la campagne, c'est en effet 18-24 ans. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est essayer, en effet, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez tous un cousin, une cousine, des sœurs qui ont des enfants, qui veulent avoir des enfants, ou en parler vraiment. Il faut que la communication se fasse et informer les gens. Même si vous n'êtes pas concerné, vous ne vous sentez pas concerné parce que vous avez plus de 24 ans. Mais ces précautions sont aussi bonnes pour tout le monde, hein, comme on vient de vous le dire. C'est vrai que c'est important de parler et vraiment de communiquer. Donc, c'est le point que je voulais voir déjà donc, rajouter un petit peu. Alors, on a eu des questions. Donc, on va en effet commencer des questions. Donc, je suis SOPK avec un utérus cloisonné. Recommandez-vous cet examen à ma sœur qui a 30 ans et des projets bébés dans les prochaines années pour vérifier si elle n'est pas atteinte du syndrome? Alors, donc, pour répondre à cette question, c'est vrai qu'il y a souvent une association avec le syndrome des ovaires polykystiques et une malformation utérine. Donc, c'est bien de tester aussi l'utérus quand on a un SOPK. En général, le SOPK, ça s'accompagne vraiment de troubles du cycle, donc des règles qui sont irrégulières, voire complètement absentes, souvent un excès de pilosité. C'est souvent associé à une obésité, mais pas systématiquement. On peut être SOPK, il y a à peu près 20% des femmes qui ont un SOPK qui sont minces.
Et puis, par contre, l'obésité va aggraver l'OSOPK. C'est pour ça qu'en règle générale, on va conseiller vraiment en premier, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des règles hygiéno-diététiques pour favoriser le meilleur fonctionnement des ovaires. Donc, c'est vrai qu'on a remarqué, mais du coup, comme il y a peut-être avoir une participation génétique, en particulier avec le syndrome métabolique, c'est-à-dire que ça peut être associé à l'obésité androïde. L'obésité androïde, c'est quand c'est l'obésité de la graisse abdominale, quoi, de la différence de l'obésité génioïde qui est plutôt dans les cuisses et le ventre. Bon, en clair, voilà, il peut y avoir des familles où on a plus facilement ça. Donc, bon, je crois que si votre sœur, elle a des cycles qui sont parfaitement réguliers, qu'elle est mince, qu'elle a pas d'excès de poids, bah, y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au SCPK ou à la malformation utérine, bien sûr. Donc, voilà, je pense qu'elle peut. Voilà, c'est une question simple à lui poser. Si bien sûr une personne qui a des règles qui sont irrégulières ou absente, il faut lui conseiller de consulter dès qu'elle a le projet bébé, ne pas attendre, hein, faut pas attendre 6 mois, 1 an quand on n'a pas de cycle régulier, parce que je pense que c'est du temps perdu. Bon, voilà. Alors après, quand on est SOPK, on peut consulter même quand on n'a pas de projet bébé, parce qu'il y a des traitements de fond qui peuvent améliorer la situation clinique, et puis bien sûr préparer après la suite et rassurer, parce que en fait le SOPK c'est vraiment finalement probablement la maladie infertile qu'on prend le mieux en charge, avec laquelle on a meilleur résultat pour les bébés. Et je pense, Nathalie, que la question était aussi par rapport aux fertilités, par rapport au check-up, oui, pour rassurer justement la, alors oui, bien sûr, la sœur de cette dame là. Ah voilà, bon, nous on refuse personne par rapport au check-up, et on pense que dès qu'on se pose la question, il faut pouvoir avoir une réponse de qualité, évidemment. Par contre, si c'était la crainte par rapport à, donc Laure, je vois son prénom, voilà, par rapport au fait qu'elle ait un SOPK et un utérus cloisonné, le risque par rapport à sa sœur, si sa sœur ne se pose pas de questions et qu'elle va bien par ailleurs, il n'y a pas de raison spécifique de s'inquiéter pour elle. Mais bien sûr, si elle souhaite faire un test, aucun problème. Voilà. Moi, j'avais une question sur combien de femmes vous avez reçues depuis 3 ans que vous faites cette proposition-là. Et dans le volume de femmes, combien n'avaient pas de problème, n'a rien à signaler, et combien avaient une problématique qui pouvait nécessiter une intervention spécifique, mm-hmm, ou une mise en évidence d'une infertilité? Alors le bilan, le FertiliScan, l'échographie, là, on fait depuis plus de 3 ans. Par contre, le check-up, on a lancé en octobre 2018. Donc, vous voyez, on vient de fêter les 2 ans. J'ai pas refait le point cette année parce qu'avec le Covid, etc., ça a été un peu compliqué. Évidemment, on avait tout arrêté. Là, on a repris très fort. En un an, on a vu 200 femmes, ce qui est pas mal quand même, hein, qui sont venues nous voir. Je pensais qu'on aurait plus, parce que le test était vraiment fait à viser bilan avant ou en début de projet. Et en gros, on a eu à peu près 100 femmes qui sont venues, qui étaient déjà en projet depuis un certain temps. Et puis 100 femmes qui n'avaient pas encore de projet, qui s'interrogeaient sur le projet ou qui allaient démarrer le projet. Donc, c'était assez partagé. Et donc, là où je me dis que les femmes ont peut-être un sixième sens, c'est que je pensais très honnêtement dire que dans 85%, 90% des cas, tout était très bien, donner des petits trucs, revoir justement tout ce qui est sur l'environnement, etc. Et puis dire, vous inquiétez pas pour le projet de bébé ou dans votre carrière, bon, c'est peut-être mieux de ne pas trop attendre, etc. Et en fait, dans 35 à 40% des cas, on a trouvé quelque chose qui était anormal. Donc, que ce soit sur l'utérus, des polypes, que ce soit de l'endométriose, que ce soit des kystes aux ovaires, ou que ce soit une réserve qui soit un peu basse ou un problème de l'ovulation. Alors c'est peut-être lié au fait que il y avait quand même du coup 50% des femmes qui avaient déjà fait des essais bébés sans réussite. Alors pour être très honnête, hein, notre objectif c'est pas de faire débourser 350 €. Donc la secrétaire, quand une femme appelle en disant, elle pose toujours la question, est-ce que vous êtes déjà en essai bébé, et à partir du moment où on remplit
le critère d'infertilité. Alors, le critère d'infertilité, ça va vite. Hein. C'est un an d'essai bébé quand on a moins de 35, 6 mois quand on a plus de 35, en tout cas pour faire un bilan. Dans ces cas-là, on va rentrer dans une prise en charge de la sécurité sociale. Donc, on peut passer à côté. Mais bon, il y a beaucoup de femmes qui sont malgré tout venues nous voir parce que l'idée d'avoir un examen expert, premièrement. Deuxièmement, d'avoir un bilan une fois, contrairement à faire un truc à droite, retourner voir le gynéco, être envoyé à gauche, revenir, machin, tout ça. Ben ça impose évidemment du temps parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes en âge de procréer, ce sont aussi des femmes en âge de travailler. Donc il faut concilier tout ça et puis avoir un avis à un moment donné. Peut-être c'est peut-être un peu moins formel qu'une consultation. Voilà. Bon, donc ça, en fait, ça fonctionne bien. Donc là, on est reparti très très fort. Je ne sais pas, je vois 10 femmes par semaine, là, moi. Et donc, je travaille en duo. On a décidé de travailler en duo pour avoir justement d'un côté un examen qui est fait par un médecin. Donc vraiment, qui est plus médical. Et puis après, un débrief qu'on veut un peu plus informel, si vous voulez. Et donc, on a mis une deuxième équipe sur le coup, ma collègue le docteur Passier et le docteur Vernet qui fait des échographies. Voilà, donc on voit entre 10 et 15 femmes par semaine. Merci. Alors, on avait une question. Le tabagiste passif subi donc pendant l'enfance peut-il influer sur la fertilité féminine une fois adulte ? Alors, probablement oui. C'est des études qui sont hyper compliquées à faire parce que la fertilité, c'est un truc qui est très complexe. Hein. Ça, c'est pas juste sur un facteur. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Donc, j'ai pas d'informations pour les petites filles, mais on sait que les petits garçons qui naissent de maman fumeuse ont des volumes testiculaires qui sont inférieurs aux petits garçons qui naissent de maman non fumeuse. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir une relation également chez la femme, et en particulier sur la réserve ovarienne, même si on n'a pas d'études pour le montrer. Moi, je suis vraiment frappée dans les patientèles pour les femmes qui sont infertiles, hein, que je prends en charge en assistance médicale à procréation, de voir qu'on a ces écarts en la réserve, c'est-à-dire que je vois de plus en plus de femmes qui ont des petites réserves, même jeunes, et de plus en plus de femmes qui ont, à l'inverse, des réserves excessives, donc qui sont dans le SOPK dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, on va dire le gros des patients qu'on peut considérer moyennes en termes de réserves, eh bien, on a l'impression qu'on les voit moins. En tout cas, c'est une proportion qui a diminué. Et il y a une étude qui a été très bien faite, justement, il y a eu le congrès américain il y a peu de temps, qui montre ça, en fait, qui montre que je crois qu'on est passé de 50% de femmes avec une réserve normale. Donc, si je me souviens bien, donc l'étude montrait 50% de femmes avec une réserve normale il y a 15 ans et 10% de femmes avec une réserve basse, 40% réserve élevée, donc plutôt SOPK. Donc, vous voyez que le SOPK, c'est quand même quelque chose de très fréquent chez les patientes infertiles. Et que là, l'étude avait été refaite et que donc 15 ans plus tard, eh bien, il n'y avait plus que 35% des femmes qui étaient sur une réserve normale et il y avait une grosse augmentation des réserves basses et puis des SOPK. Donc, ça peut être le tabac, ça peut être aussi plein de choses, effectivement, les produits de beauté qu'utilise la femme quand elle est enceinte, ça peut être également tout ce qu'elle mange avec les produits hyper industrialisés, plein de cochonneries, et puis les trucs, les plastiques qui passent au micro-ondes, l'eau en bouteille, par exemple, etc. Ça peut être aussi... Vous savez, on parle des 1000 jours, là. Hein. Donc, les 1000 jours, c'est avant la grossesse. Donc, c'est-à-dire que c'est au moment où on cherche à concevoir, déjà. Hein. On produit, comme je vous ai dit, l'ovule, il se prépare 3 mois avant la conception. Donc, finalement, on a déjà presque son enfant, en tout cas, les gamètes qui vont donner son enfant, 3 mois avant la conception réelle. Et puis, il y a une période de grande sensibilité des enfants. Pourquoi ils sont très sensibles? Parce que finalement, ils sont très petits. Et donc, finalement, une dose qui ne fera rien pour l'adulte, pour l'enfant, lui, ça fait une dose qui est énorme. C'est pour ça qu'on donne aux enfants des doses de médicaments qui sont très faibles et qui sont en rapport avec leur poids. Pour le coup, ça peut faire des grosses doses. Et donc, par exemple, sucer une tétine pleine de phtalates, c'est certainement pas très bon sur la réserve des ovaires, par exemple. Voilà. Donc, il y a plein de choses, certainement, qui vont sortir comme ça. Alors, j'ai une question sur le bilan fertilité. Avec cet examen, est-ce que vous pouvez voir la perméabilité des trompes ?
Tout à fait. Donc, on utilise une mousse qui s'appelle Exem Foam Kit qu'on va infuser doucement. Alors, contrairement à l'hystérosalpingographie où on utilise un produit qui est aqueux ou huileux, donc un produit qui va entraîner une pression, donc qui peut faire mal, la mousse, bah, c'est de la mousse, quoi. C'est comme de la chantilly, si vous voulez. Ça ne va pas entraîner de pression. Et on va avoir cette mousse qui va très bien passer à l'échographie dans les trompes. Donc, 8 fois sur 10, les trompes passent très bien. Quand ça ne passe pas avec cette mousse-là, on ne peut pas dire pour autant qu'il y a un blocage des trompes. Ça peut être un spasme ou les tubes digestifs qui est un peu trop actif, on peut avoir du mal à le faire. Donc, on peut être amené à refaire ce test-là. Donc, il a une très bonne valeur en dépistage, c'est-à-dire que si on voit que les trompes passent bien, on peut être rassuré à 100%. Par contre, si on ne voit pas que ça passe très bien, bon, vous voyez, on a éliminé 8 femmes sur 10. Donc, chez 2 femmes sur 10, eh bien, on peut être amené à le refaire une deuxième fois pour vérifier qu'il n'y ait pas un spasme, une petite contraction utérine, en fait, qui peut être levée une autre fois, ou que c'est un blocage. Donc, quand ça ne passe pas, c'est seulement une fois sur 2 un vrai blocage au niveau de la trompe, et une fois sur 2, ça va être un spasme. Mais comme c'est un examen qui est bien toléré, en fait, moi, j'ai jamais eu aucune patiente qui a refusé de le refaire. Alors, on offre le gel pour la deuxième fois. Le gel, il coûte, c'est 50 euros le prix distributeur. Hein, donc, dans les pharmacies, vous allez le trouver entre 50. Nous, on a négocié avec la pharmacie en face de l'hôpital 50 euros à 120 euros hein, dans le 16e. Les pharmacies, elles se lâchent un petit peu. Donc, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs pharmacies, à négocier un petit peu le prix. Et donc, comme c'est un examen qui est hyper bien toléré, j'ai jamais eu aucune patiente qui a refusé de le refaire. Par contre, l'hystérosalpingographie, eh bien, si vous en avez déjà une, en tout cas, moi, je vois très bien la réaction des patientes qui ont déjà eu une hystérosalpingographie. Quand on veut leur prescrire un truc qui commence par hystéro, même si ce n'est pas une hystérographie, eh bien, on sent tout de suite une petite contraction et je ne le referai pas. Voilà. Donc, non, c'est un test qui est hyper bien toléré et effectivement, ça permet bien de voir si les trompes sont perméables. Par contre, ça arrive que parfois, on ne voit pas s'il y a des fibromes, par exemple, il y a un petit peu d'obésité, on peut voir un peu moins bien. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le passage que les trompes sont forcément bouchées. Merci. Alors, donc là, je n'avais pas de questions, mais juste une appréciation de Charlotte qui dit que le discours était clair et rassurant par rapport à des discours qu'elle a déjà entendus de plusieurs médecins qu'elle a croisés. Elle dit en effet avoir fait un bilan fertilité à 39 ans et ça l'a amené à faire sa première FIV à 40 ans. Voilà, donc c'était juste des petits commentaires. Si je peux juste commenter le commentaire, si vous voulez bien. Allez-y, je vous en prie. Bon, maintenant, Charlotte, il faut tenir bon. Alors, vous avez bien vu par rapport aux chiffres que je vous ai montrés, c'est que malheureusement, quand on a un petit peu plus d'âge, les choses demandent un petit peu plus de temps. Et donc, il faut être un peu plus patient et certainement avoir un parcours un petit peu plus long. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Finalement, c'est vrai que souvent, les couples s'interrogent du pourquoi de l'échec. Et malheureusement, les médecins n'ont pas beaucoup de réponses à donner. Vous avez vu sur les statistiques probablement que l'échec le plus souvent il est lié au fait que il n'y a pas une production d'embryons normale à cause des statistiques et il faut recommencer pour reproduire à nouveau des embryons en espérant qu'à un moment on en a un qui est bon. Alors avec Virginie, on s'est beaucoup battu auprès des parlementaires et des sénateurs pour que le diagnostic génétique des embryons puisse être fait. Par exemple, dans des situations où on a dépassé 40 ans, pour pouvoir trier en quelque sorte les embryons et déjà écarter de base ceux qui sont anormaux génétiquement. Ça permet de gagner un petit peu de temps quand le temps va être relativement compté, de ne pas transférer des embryons qui sont pas normaux, et puis aussi éviter de subir des échecs très malheureux, qui sont très durs et très culpabilisants, alors que peut-être que l'embryon il s'est pas accroché, très probablement juste parce qu'il n'était pas bon génétiquement, mais après vous allez culpabiliser parce qu'il s'est pas développé, etc., alors que vous y êtes pour rien finalement. Oui, il y aurait une autre question, donc une personne qui dit « Serait-il pas également intéressant d'analyser donc, la fertilité de l'homme, questionnaire, analyse, dans le cadre du fertilité check-up, afin d'anticiper d'éventuels problèmes du côté de l'homme, ou également de faire un sujet problème de couple dès le début ?»
Bon, alors tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on a beaucoup de femmes qui viennent en couple, et donc dans ces cas-là, je prescris un spermogramme, et puis donc je fais un petit backup après, ou des femmes qui viennent avec déjà le spermogramme de leur conjoint. Donc, on en parle évidemment. Il ne faut pas oublier que l'homme, c'est 50%, et donc on parle autant de l'homme et du tabac chez l'homme que de la femme. Alors nous, on ne l'a pas développé à l'intercommunal parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On le fait finalement indirectement à travers une prescription. Et puis voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a cet entretien, le check-up, etc., qui dure à peu près une heure, mais on assure un service après-vente et on répond aux questions après avec les compléments d'examen qu'on demande. Bien sûr que finalement, quand on fait ce bilan-là, je veux dire, bon voilà, bah, quel est votre potentiel, je veux dire, et votre conjoint, bah, est-ce que lui est intéressé, est-ce qu'il veut savoir, en tout cas, bah, si, tout est bien pour vous, si dans les 3 à 6 mois ça n'a pas fonctionné, c'est monsieur qu'il faut tester. Donc c'est une très bonne remarque. Merci. J'ai pas d'autres questions. Virginie, est-ce que tu voulais apporter des précisions? Oui, alors moi j'avais une question quand vous disiez tout à l'heure, Nathalie, que c'est l'ADN en fait qui est attaqué par les perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'on a je sais qu'il y a beaucoup d'études sur les questions génétiques, sur l'aspect génétique de cette question, mais est-ce que l'impact environnemental est étudié ou commence à être plus étudié, ou est-ce que c'est pareil, c'est tellement énorme que c'est difficile? Oui, alors c'est effectivement énorme et c'est beaucoup étudié. Hein. C'est très difficile chez l'homme parce que c'est tellement multifactoriel. Donc les études, elles sont beaucoup faites plus chez la souris, mais bon, la femme n'est pas une souris. Alors juste pour préciser, les perturbateurs endocriniens, en fait, peut-être que je me suis mal exprimée, ils n'agissent pas sur l'ADN. Hein. Par contre, tout ce qui est les polluants, oui, ils vont agir sur l'ADN. Les perturbateurs endocriniens, leur mécanisme d'action, c'est de se fixer sur les récepteurs des hormones et d'agir comme des hormones, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et du coup, les systèmes, ils ne savent plus du tout où s'en retrouver. Mais il n'y a pas d'action directe des perturbateurs endocriniens sur l'ADN. Par contre, tout ce qui est polluant, hein, tous les toxiques de la cigarette, la pollution atmosphérique, tout ça, oui, ça va agir sur la qualité des gamètes. Et donc, je crois qu'il y a une étude qui a été faite, ça doit être aux États-Unis, ils ont des grosses cohortes de patients qui sont suivis pendant de longues années, qui remplissent plein de questionnaires sur plein de choses. Ils avaient vu que, en fait, finalement, il y avait une fertilité qui était moindre chez les femmes qui habitaient à proximité des autoroutes, par exemple. Ouais. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sortent. Et c'est vrai que c'est très anxiogène parce que finalement, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et puis, quand on regarde son environnement autour de soi, ben, finalement, tout devient extrêmement risqué. Donc, comme vous l'a dit Lucie, il faut relativiser. On ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Et tout est une question de dose. C'est-à-dire que bon, ben, si on va manger une fois un McDo ou qu'on passe une fois un plat au micro-ondes, bon, ben voilà, c'est pas dramatique. On va s'en sortir. On va s'en sortir, voilà. Le problème, c'est les choses qui reviennent très très souvent, comme l'alcool. Bon, ben, un petit coup de... Excusez-moi, hop. Un petit verre de temps en temps, quand on n'est pas enceinte. Voilà, c'est pas grave, ça fait du bien. D'ailleurs, les études sur l'alcool sont vraiment très mauvaises chez l'homme. Chez la femme, un ou deux petits verres, ça favorise une grossesse. Alors attention, je voudrais relativiser. C'est pas des études chez les femmes infertiles. C'est des études chez les femmes fertiles. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de recherches et c'est vrai que j'ai pas trouvé d'études qui montrait que l'alcool était dangereux pour l'infertilité, on va dire, chez la femme. C'est vrai que tout ce qui revenait à chaque fois, c'était vraiment, c'était l'homme. Oui. Alors il y a même une étude qui montre que les femmes qui boivent un peu ont plus de grossesse que les autres. Je pense que c'est un biais en fait, mais c'est, comme je vous dis, ce n'était pas des femmes infertiles. Hein. C'est ça. Surtout quand on rentre en protocole, on nous dit vraiment dès le début, surtout on oublie l'alcool, les drogues, le tabac, c'est vraiment le discours qu'on nous tient dès le début.
Et même, moi, je sais que ma gynéco, quand je l'ai rencontrée, c'était même plus poussé que ça. Elle m'avait donné tout un fascicule sur les protections environnementales, pas d'utiliser de poils rayés, mais dès le début du protocole. Donc, elle était vraiment très, très carrée. Et je pense que c'est important. C'est important à mettre en place ce genre de choses parce que ben, c'est pour le bien-être de notre enfant et puis même pour notre bien-être à nous, hein, de toute manière. Quand on voit tout ce qu'il y a sur les produits, rien que quand on achète des choses basiques, des lingettes, quand on voit la quantité de produits qu'il y a derrière, moi je sais que maintenant je fais mes lingettes maison avec mes produits maison. Et c'est beaucoup plus sain déjà pour notre santé à nous et la santé future de notre enfant, je pense. Bah, c'est super d'avoir une gynéco qui vous a sensibilisé effectivement dès la première consultation. Après, moi je vois d'expérience, c'est que tout le monde n'est pas sensible dès la première consultation et je sais bien parce que je vois souvent des femmes qui fument ou des hommes qui fument. Et bon, donc c'est difficile d'avoir à la fois un discours qui ne soit pas culpabilisant et en même temps qui montre l'importance et qui n'est pas trop paternaliste en fait. L'objectif, ce n'est pas au médecin de dire bon, bah, vous devez arrêter de fumer, c'est de donner les clés pour que le couple, l'homme, la femme, se disent bah, il faut que j'arrête de fumer. Mais je dirais que là aussi, du côté des patients, bah, finalement, il y a des sensibilités différentes avec des personnes qui ne veulent pas entendre et puis d'autres qui sont beaucoup plus sensibilisées, qui vont être en capacité d'être plus actifs, en fait, dans leur, plus participatifs, etc., dans leur projet. C'est une très bonne chose. Et donc, effectivement, bah, c'est bien d'avoir ces informations tôt. C'est vrai que quand je vois des gens qui viennent me voir en deuxième tentative, avec beaucoup de tabac, etc., et je dis, bah, faut que vous arrêtiez de fumer, ça serait bien. Parce que parfois, je le dis quand même, hein, quand il y a beaucoup d'échecs, voilà. Voilà, et qu'on me dit, bah, on ne me l'a jamais dit. Alors, peut-être qu'on ne l'a jamais dit, ou peut-être que ça n'a jamais été entendu. Hein. C'est tout entendu, quand même. Oui, je pense que nous, en tant que patients, il faut aussi qu'on puisse des fois se remettre un petit peu en question. C'est-à-dire que c'est pas... Les professionnels ne sont pas des magiciens et puis nous, on peut quand même être un peu acteur et agir sur les choses qu'on arrive à mettre en œuvre, même si c'est une petite chose, même si c'est diminuer au moins la cigarette, et ben voilà, on aura fait quelque chose. On peut pas être juste dans une position où on attend et la médecine va apporter la solution de façon automatique. Il faut qu'on soit acteur et dans une co-construction avec les professionnels. C'est pour ça que l'information et la formation, elle est hyper importante parce que voilà, c'est ce que Virginie vous dit, c'est-à-dire bah, finalement d'être capable de prendre ça en main en fait. C'est pas que le gynécologue, finalement le gynécologue il fait pas grand-chose dans l'affaire. Après, je pense qu'il faut aussi que les gens fassent des efforts, même si des fois c'est compliqué. Mais un projet bébé, c'est un projet de vie. Et si on part déjà avec voilà, des bonnes bases, si on se dit bah non, voilà, j'ai envie d'avoir un enfant, mais je continue le tabac parce que je n'arrive pas à m'arrêter. Mais après, c'est vrai que derrière, ça a des répercussions. Le projet bébé va arriver peut-être un peu plus longtemps. Donc, est-ce qu'après, on ne va pas culpabiliser, dire oh, j'aurais peut-être dû arrêter avant. Je ne sais pas. C'est une problématique par rapport au poids, par exemple, parce que c'est vrai, il faut vraiment peser le poids, parce que bah, le poids, c'est lent, comme on l'a dit, il ne faut pas perdre trop rapidement, donc ça peut prendre du temps. En tout cas, bah, ce qui prend du temps, finalement, est fait mieux, et c'est une bonne chose. Parfois, on n'a pas trop de temps, et donc il faut peser le pour et le contre entre bah, les pertes de chance qui sont liées au temps qui passe, et puis celles qui sont liées bah, au problème de poids. Donc, l'idéal, c'est d'arriver hyper tôt, comme on a dit, c'est pour ça que cette campagne, elle arrive à un moment où c'est pas culpabilisant, tout ça pour bah, éviter de prendre du poids, en fait, il n'y a rien de mieux, hein. Mais c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas tous les mêmes génétiques, donc... Moi, je suis une mauvaise élève. Hein. je conseille, mais je ne vais pas m'appliquer. C'est vrai que moi, j'ai perdu 15 kilos. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un discours très culpabilisant. Hein, parce qu'on sait, hein, de toute façon, on voit malheureusement quand le poids monte, ben, la courbe des fausses couches augmente et puis les chances de grossesse diminuent. Et donc, il y a eu des études qui ont été très, très bien faites en Europe du Nord. Ils savent bien faire les choses avec du coaching, etc. Qui ont montré que finalement, donc le but de l'étude, c'était de faire perdre du poids et puis de voir s'il y avait plus de chances de grossesse après. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Donc, c'est complexe quand même, tout ce que ça implique.
voilà, c'est pas... C'est pour ça qu'il était important, en effet, de faire cette réunion d'information aussi pour présenter aux gens des choses qui sont importantes. Après, je pense que, comme j'ai dit au début, chacun fait aussi à sa manière et à son échelle. Tout le monde ne peut pas faire de la même manière, et puis ça dépend aussi de, voilà, de comment on vit, de plein de choses. Et puis c'est vrai que malheureusement, le Covid n'a rien arrangé, autant sur la prise de poids que sur la perte de poids de certaines qui ont, voilà, qui ont perdu du poids très rapidement pour pouvoir reprendre leur protocole. Donc c'est vrai qu'il y a plein de cas comme ça. Donc moi je pensais que c'était important en effet de faire cette réunion pour informer les gens sur la campagne, mais aussi de voir les aspects de l'infertilité après, pour que les gens se rendent compte aussi que si on ne fait pas ces petites précautions avant, rentrer dans un protocole, comme tout le monde le sait, hein, c'est lourd, c'est compliqué. Donc si on peut faire des petites choses pour l'éviter, ça serait bien. Alors, ça, c'est bientôt l'heure de l'apéro et j'ai justement quelqu'un qui pose une question. Donc, c'est Marie qui demande si un verre d'alcool pendant une stimulation pour une FIV ou une insémination, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est autorisé ? Pas du tout. Et est-ce qu'il y a des interactions avec les médicaments ? Alors, l'interaction avec les médicaments, oui, il peut y avoir une interaction avec les médicaments, mais dans les médicaments qui sont classiquement donnés par la FIV, pour la FIV, non. Et je pense qu'on peut s'autoriser un petit verre pendant la stimulation. Voilà. Le problème, ce n'est pas le petit verre. Le problème, c'est les verres répétés. Donc, c'est des moments qui sont un peu difficiles. Moi, franchement, je pense que c'est mieux de prendre un petit verre de vin qu'un gros gâteau. on n'en a pas parlé, mais là, il y a une grosse étude qui vient de sortir sur le sucre. Le sucre raffiné, hein, ce qui a le goût sucré, qui a un impact aussi dramatique finalement que la cigarette. C'est-à-dire manger du sucre tous les jours, un aliment sucré tous les jours, ça revient au même que de fumer 15 cigarettes par jour. Donc voilà. Donc vaut mieux voir un petit verre de vin. Je dirais que voilà, 3-4 verres dans la semaine, ça pose pas de problème, à condition que les verres ne soient pas tous la même soirée, parce que là pour le coup c'est pas bon, parce que ça fait un toxique important d'un coup. Alors moi j'ai une autre question subsidiaire, c'est pour les apéros sans alcool. Il y a quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux des personnes infertiles, c'est il faut boire du jus de raisin et il faut boire du jus d'ananas. Et en fait, les gens boivent beaucoup, beaucoup de jus de raisin et de jus d'ananas, mais moi j'ai souvent à l'esprit que les gens en fait boivent beaucoup de sucre plutôt que... Alors très honnêtement, il vaut mieux boire un petit verre de vin. C'est vrai que, alors je ne sais pas d'où ça sort, mais ça je pense que c'est un fake ou c'est un truc, voilà, vous savez. Et c'est vrai que la première fois qu'on m'en a parlé, je suis un petit peu tombée des nues et il n'y a absolument rien de scientifique sur le jus d'ananas. Alors peut-être que boire un jus d'ananas frais, c'est-à-dire vous avez l'ananas, vous le pressez, vous le faites vous-même, eh bien, c'est bourré d'antioxydants, peut-être que ça peut être pas mal. Mais le jus d'ananas du commerce ou le jus de raisin, d'abord éviter les jus de raisin. Le raisin, il n'y a rien de pire en termes de toxiques, c'est hyper traité, tout ça, c'est vraiment vert. Non, le jus d'ananas du commerce, c'est trop de sucre, beaucoup trop de sucre. Attention au sucre. C'est quelque chose que je dis souvent, mais bon, c'est difficile après de lutter. De lutter avec les... Beaucoup de personnes qui a bu deux verres d'ananas, de jus d'ananas, et puis qui a démarré une grossesse pour faire la relation et dire que c'est le jus d'ananas qui permet d'obtenir la grossesse. Donc ça c'est un fake. Si une femme a obtenu une grossesse en buvant du jus d'ananas, c'est qu'elle devait obtenir une grossesse et qu'elle l'aurait eu sans jus d'ananas, peut-être même un peu plus rapidement. Mais par contre, une alimentation qui contient tout ce qu'il faut et qui est éviter l'alimentation raffinée, qui contient des antioxydants, qui contient des vitamines et qui ne contient pas trop de pesticides, il y a quand même toujours mieux que de manger de l'alimentation industrielle. Ça, c'est... Ah oui, c'est pas mieux, je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire que, aujourd'hui, par exemple, par rapport à la loi, on voit bien, c'est, en fait, le consommateur peut voter à travers sa consommation. Et donc, la qualité de l'alimentation, c'est pareil. Si on arrête de manger toutes ces cochonneries qui sont vendues, eh bien, les industriels, ils vont mettre moins de cochonneries. Et on voit bien qu'ils commencent à faire des choses moins sucrées, etc. Voilà, sous la pression du consommateur. Donc, le consommateur, il est hyper important. Donc, pour avoir une bonne alimentation,
riches en oxydants naturels, etc. C'est très simple, il suffit d'acheter des produits originaux et de cuisiner soi-même. Et franchement, aujourd'hui, il y a plein de tutos, etc. Même si on n'est pas très bon cuisinier, et même si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut quand même manger des choses qui sont bonnes, sans prendre trop de temps, bonnes pour la santé, je veux dire, hein, et bonnes aussi au goût, parce que la vie, c'est important aussi quand même, il ne faut pas se gâcher la vie, hein, même si on a envie de faire un bébé. On a vu pendant le premier confinement que beaucoup de gens, en effet, cuisinaient et faisaient beaucoup de faits maison. Donc, peut-être qu'ils ont pris goût et que ça va continuer. Donc, on espère que ça... Voilà. Alors, il y a un truc à la mode qui est sorti. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais on peut se préparer le week-end, le dimanche. On peut préparer tous les repas bien équilibrés pour l'ensemble de la semaine. Alors, je ne sais plus quel nom ça a. Je le fais sur une partie et je pourrais le même. Voilà, et c'est vrai que c'est très bien parce que ça reste des produits sains. Moi personnellement je cuisine beaucoup, moi je fais vraiment tout maison et j'ai vu vraiment la différence déjà rien que sur mon poids et on dit que le poids c'est important et c'est vrai que je le vois tous les jours, hein. Bon, moi j'ai perdu 15 kilos, je le sens pas, mais parce que c'est moi, c'est mon corps, mais je pense que voilà, il y a des gens qui vont le voir sur leur fertilité et le fait de faire des choses soi-même, mais je pense que prochainement je ferai en effet des petits tutos sur les faits soi-même. Ben oui, parce qu'en fait les industriels ils mettent du sel dans les aliments sucrés pour donner envie et ils mettent du sucre dans les aliments salés, donc on voit que c'est tout à l'envers, voilà. Tout à fait, mais rien qu'en regardant au-dessus des emballages, vous allez voir que vous allez vraiment avoir envie de faire les choses soi-même. Moi je fais même moi-même mon ketchup. Oui, donc c'est arrivé vraiment à un point. Mais après, moi, voilà, moi, j'aime bien cuisiner, mais je pense que chacun pourra en effet faire à son échelle, comme je disais tout à l'heure. Alors, si chacun met un peu du sien, je pense que les choses vont pouvoir changer. Après, je pense aussi qu'il faut que la société dans son ensemble progresse, et je vois que ça progresse parce qu'il y a la difficulté, par exemple, d'une alimentation saine, c'est aussi le tarif, c'est-à-dire que acheter bio, ça coûte plus cher que de ne pas acheter bio. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Acheter local, il faut pouvoir avoir le temps d'aller... voilà. Mais tout ça, je pense qu'on est en train de changer et que le changement, c'est toujours quelque chose de difficile et ça prend du temps. Mais, il vaut voilà, mieux consommer moins, il vaut mieux consommer moins, mais de meilleure qualité, en fait. Exactement. Et privilégier aussi le local quand on le peut, et prendre les produits de saison. Voilà, c'est vrai, tout à fait. On va faire un positif. C'est difficile pour les avocats. Mais... Donc l'ananas, hein, c'est pas local, c'est voilà, donc on oublie. Bah, surtout le jus d'ananas. Ouais. Seulement quand on part en vacances. Voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, merci. Je ne sais pas si vous vouliez un petit mot de fin. Il y a une réponse qui vient d'arriver, une question, une réponse. Je n'ai pas vu. La pratique sportive a-t-il un impact avéré sur la préservation de la fertilité? Alors, je n'ai pas compris là. La pratique sportive. Oui. A-t-il un impact avéré sur la préservation de la fertilité? Tout ce qui est excessif nuit. Donc, du sport trop excessif, ça peut avoir un impact négatif sur la fertilité. Et effectivement, il vaut mieux avoir une activité physique régulière que d'être complètement sédentaire. Donc ça, c'est pour la fertilité, la capacité de fertilité. Après, sur la préservation de la fertilité, il n'y a pas d'études qui montraient que le fait d'être plus actif, par exemple, permet de moins perdre ses ovules. Après, juste rajouter un petit point là-dessus, je pense que ça va aussi avec la perte de poids, c'est lié. Donc, si on veut en effet ne pas être en obésité, etc., même déjà 20 minutes de marche, rien que marcher dans son quartier ou aller promener son chien, déjà, rien que ça, c'est déjà important. Ça permet d'avoir une petite activité pour ceux qui n'aiment pas du tout faire de sport. Alors 20 minutes, c'est le minimum pour mettre en route vraiment le...
au niveau de la méditation, voilà, donc une demi-heure, c'est ouais, beaucoup, c'est on est sur de la marche, et bon, ben, la course est beaucoup plus efficace que la marche ou le vélo. Là où vous faites 20 minutes de course, eh bien, pour avoir l'équivalent, il faut faire une heure de marche ou une heure et demie de vélo, quoi. Alors, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Virginie, le mot de la fin. Le programme de demain, il sera sur la page Facebook et sur le site internet. Demain, il y a ce soir, il y avait une autre. La seule rencontre en présentiel de la semaine, elle a eu lieu ce soir à Cayenne. Ouais. Beaucoup de chance. Hein. Les seuls. Voilà. Et puis demain, donc il y a une grande journée d'information avec plein de professionnels de l'assistance médicale à la procréation, des spécialistes dans leur domaine, des chercheurs, des médecins de la reproduction, toute la journée, donc qui est organisée par Magic Maman et le laboratoire Mère, qui est notre association. Et donc tout ça, il y a différentes tables rondes et tout ça va être diffusé sur la page Facebook de Magic Maman et peut-être aussi sur la nôtre si on arrive à utiliser la technologie. Et il faudrait s'inscrire par contre sur le lien. Pardon ? Il faut s'inscrire en préalable sur le lien. Oui, alors il faut s'inscrire ou pas forcément. J'ai redemandé tout à l'heure et on m'a dit que c'était voilà. Une fois que la conférence va être diffusée en direct, quand vous arrivez sur la page, vous arrivez directement sur les conférences. Donc il y en a une sur Protège ta fertilité, une autre sur les grandes causes de l'infertilité, une autre sur les innovations, une autre sur la bioéthique. Et on finit par une table ronde sur l'accompagnement patient, enfin, l'accompagnement du couple et puis aussi sur la crise Covid. Donc plein de choses super intéressantes. Et tout ça sera en replay pour les gens qui ne sont pas disponibles ou qui sont partis marcher 30 minutes dans la forêt pour s'aérer. Donc, Après, c'est toute la journée. Donc... Non, mais je pense que ça va être très intéressant parce que c'est vraiment à destination des patients. Et donc, de l'information avec les professionnels de l'AMP en France qui sont là aussi pour être disponibles et pour transmettre de l'information. Et quand on est... Être informé, ça permet de faire des choix et c'est toujours très important. Avec la merci, présence. Merci, Nathalie Massin. Merci, mon professeur Massin. À demain. À demain. Oui, à demain. Merci pour votre invitation et puis bonne continuation à toutes les participantes également. Alors, il y a juste une dernière. Nat qui dit merci pour ce webinaire, c'était très intéressant. Merci. Merci à tous. Et à très, au revoir. Au revoir. Alors, attends, ne ferme pas parce qu'il faut que j'enregistre. Ah, d'accord. Attends.